se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller visiter une ancienne carrière de pierre qui est maintenant abandonnée. Elle daterait du 19e siècle. Et en fait, elle aurait été exploitée pour construire un ancien sanatorium qui est juste à côté. Et ce sanatorium s'occupait des patients qui étaient atteints de la tuberculose. Dans les années 60, après de longues décennies abandonnées, la carrière leur aurait même servi de champignonnière. Du coup, on va s'empresser d'aller la voir et on se retrouve tout de suite devant l'entrée. Là, on arrive devant la montée pour accéder à la carrière. La voilà, cette belle carrière. Regardez-moi ça. Déjà trouvé une petite marque sympa. Voilà, une belle gravure de l'époque. Donc on arrive bien à repérer un N là, comme ça, un L et un cœur. Donc c'est plus une déclaration d'amour qu'une trace des gars qui bossaient là-dedans, ou alors les deux. Voilà, on se retrouve devant la carrière. Elle n'est pas facile d'accès à cette carrière parce qu'elle est vraiment sur les flancs d'une colline. Et pour y accéder, il y a quand même un sacré dénivelé. Donc là, on voit bien l'entrée de la grotte et j'imagine qu'avec le temps, toute la terre a coulé. C'est pour ça que l'entrée doit faire 1 mètre de haut maximum. Je vais prendre les lumières, je vais m'équiper, puis on va tout de suite aller voir dedans. Voilà dans la carrière. Spacieux, tout en longueur. On va aller faire un petit tour. On va essayer de trouver des traces de l'humain ici. Peut-être des bestiaux éventuellement également. Là, je viens de trouver un truc assez sympa. C'est, regardez, il reste carrément une pierre qui a été taillée, découpée à la scie, et qui est restée là. On voit bien la coupe, elle est extra nette. C'est vraiment top. Regardez ça, comme il est beau ce pilier là. Majestueux. On va pas la déranger longtemps. Bon alors les amis, là je viens de mettre la main sur des traces de taille. C'est un petit peu les dernières preuves qui restent pour prouver qu'il y avait bien une exploitation de pierre. Ces traces, elles ont été réalisées avec des outils qu'on appelle des pics ou des escoudes. Je vais vous mettre une photo tout de suite. Alors pour vous expliquer un petit peu, les gars qui bossaient dans ces carrières, on les appelait les carriers. Malheureusement, le métier de carrier s'est éteint forcément avec l'arrivée des nouvelles technologies. Ces gars-là, ces carriers, ils étaient constitués en 3 groupes. On avait les trancheurs. Les trancheurs, c'est ceux qui découpaient la pierre à même la colline avec les outils spécifiques, les scies crocodiles, les pics, les escoudes, comme on a vu tout à l'heure. On a les conducteurs, c'est ceux qui allaient chercher les blocs au fond de la carrière et qui les ramenaient carrément à l'entrée via des wagonnets. Ou même directement, des fois, ils arrivaient à les charger sur les chevaux, si ça rentrait forcément, et les chevaux sortaient directement de la carrière. Et on avait les charretiers, c'est celui qui forcément conduisait la charrette. Pour descendre dans le village. Du coup, on va continuer de faire un petit tour de la carrière, voir si on trouve pas d'autres indices. Et puis après, on va aller vers la direction de la sortie pour débriefer. Allez, on y va, c'est parti. Il y a des traces de coupe. Hein. C'est impressionnant le poteau là.
en vidéo, du coup. On apprécie. 1881. Juste ici. On a déjà une première signature. 1881. Deuxième signature à la bougie, Carlier, 1892 à 1976, c'est assez récent. Alors, on a trouvé une signature de 1878, Anatole. C'est un peu émouvant de voir ces messages, je trouve, parce que les messages sont encore là, mais les hommes, eux, sont plus là. Voilà, on a une deuxième signature, avec une écriture magnifique. À l'époque, ils savaient vraiment écrire. Impressionnant. 1908. Bon voilà, on se retrouve à la sortie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelques trucs. Comme moi, j'ai trouvé ça exceptionnel de visiter cette carrière parce que on arrive à retrouver des indices du passé qui sont encore là. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.